Salutations, bienvenue à vous. Je vous présente Crimson Spires. Ce jeu est originalement sorti le 27 octobre 2020. Il vient d'être porté sur la console PS4 le août 2021. Il est disponible sur le PS Store actuellement au prix de 20€. Il est tout à fait possible d'attendre les soldes pour le récupérer à petit prix ou à moitié prix, sachant que c'est un peu cher tout de suite. Vous pourrez donc le mettre de côté ou dans votre liste de souhaits et y jouer un peu plus tard. Il a été développé par Woody Studio et édité par Estasia Soft. C'est dans le genre visuel 2D et 3D, entièrement explorable, entièrement entre parenthèses, mais également jeu d'horreur, d'aventure, en lecture. C'est un visuel novel, aussi appelé un roman vidéoludique au style traditionnel, art manga, mélangeant plein de genres différents comme entre autres le manga Autumn et également les jeux d'horreur d'aventure. Ça incorpore également du gothique, un peu de mystère, y compris des vampires, de l'étrangeté, de la romance dans un drame épique. Tous ces éléments seront au rendez-vous. La lecture du texte à haute voix est incorporée dans ce jeu. La langue utilisée sera l'anglais et concernant le synopsis, on incarnera le shérif Erika, une femme. Dans le cadre d'une enquête, elle se retrouvera subitement prise au piège dans un cercle de tours incandescentes et meurtrières. Dans la petite ville minière qui s'appelle Bataille, elle y rencontre d'étranges personnages tels que des complotistes, des vampires fortunés et un tueur en série. On devra guider Erika avec nos choix alors qu'elle forme des alliances fragiles et trouve l'amour au travers d'un partenariat au milieu des horreurs que traverse la ville de Bataille. Une histoire d'amour naîtra peut-être entre Erika et les quelques personnages auxquels elle est successible d'accorder sa confiance. Chaque relation pourra révéler de précieux secrets sur les tours et le mystère qui les entoure. Concernant le gameplay, ce jeu incorpore des petites quêtes annexes ainsi que des déplacements à l'intérieur et l'extérieur de notre environnement, où l'on pourra un petit peu explorer les alentours, ce qui est une première, sachant que tous les romans vidéoludiques présentés sur ma chaîne jusqu'à maintenant ne comportaient pas cette particularité de monde semi-ouvert. Avec ce jeu narratif, vous vous trouverez dans un univers où il faudra vous détendre, s'asseoir et regarder le texte défiler comme la plupart des visual novels. Ce jeu est un roman avec des images qui se lira automatiquement comme un film. Il y a peu à faire en termes de contrôle, vous sélectionnerez la vitesse de votre texte, choisirez de sauter ou non si vous le souhaitez les textes. C'est un style de jeu très facile à jouer qui nécessitera beaucoup de lecture. Ce jeu contient un total de 13 trophées, 11 en or, 1 en argent et 1 platine, et sa durée approximative pour le platiner de 30 minutes maximum, sa note de difficulté de 1 sur 10. Concernant l'acheminement des trophées pour obtenir le platine, cela consistera à seulement appuyer sur croix après un choix et au préalable avoir modifié quelques paramètres dans les options qu'on va faire tout de suite. On va aller dans options et on va mettre tout à droite texte speed avec la touche R2. Voilà, comme ceci. On descend un peu et auto delay, qui veut dire délai automatique, on le met tout à gauche avec la touche L2. Une fois que c'est fait, on fait un rond et on peut enfin commencer l'aventure. Sachez qu'il va falloir maintenir la touche R2 pour faire défiler les textes plus vite. Si vous relâchez la touche R2, vous ne pourrez pas passer les textes, il va falloir les lire ou appuyer sur croix. Donc maintenez la touche R2 pour faire défiler les textes plus rapidement. Voilà, vous pouvez annuler une action en appuyant sur rond et vous pouvez faire un retour rapide à gauche. Si vous avez loupé une réponse, vous appuyez rapidement sur la touche L1 et vous revenez sur la précédente image et texte que vous avez loupé. Donc comme je vous ai dit, on va appuyer sur R2 pour faire défiler plus vite les textes. Il faut maintenir cette touche qui a marqué en anglais skipping, qui veut dire est en train de passer. Premier trophée, on va se retrouver à l'extérieur de notre véhicule. Comme je vous l'ai dit, ce jeu a la particularité de faire un peu de l'exploration. On va sortir de notre véhicule. Et voilà, c'est extraordinaire. Ah bah, moi j'aime beaucoup cette méthode d'incorporer un peu de l'exploration tout en incorporant
un roman. Je trouve ça super cool. On va aller à l'intérieur de cette boutique qui s'appelle L'IQ Or. On appuie sur croix sur la porte noire et on fait défiler les textes plus vite avec la touche R2. Nous allons faire notre premier choix. On appuie sur croix et on choisit le choix numéro 1, shoot, qui veut dire tir. On appuie sur R2 pour aller plus vite au niveau des textes. On maintient cette touche. Deuxième trophée qui est tombé. Le mur. The wall. On va se retrouver au commissariat. À chaque fois que je vais maintenir la touche R2, vous aurez l'information en haut qui aura marqué skipping. Vous voyez, là, je suis en train de le maintenir, je le relâche. Il apparaît et disparaît constamment. Chapitre 1, voilà la fameuse shérif Erika. On maintient la touche R2, comme toujours. Alors, vous voyez, on peut se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première action est d'aller parler à cet homme derrière les barreaux, dans sa cellule. On lui parle. Et on va faire le choix numéro 1. Ask him how he's doing. Choix numéro 2. Never mind. Peu importe. Ce n'est pas un problème, il s'en fiche. Alors maintenant, il va falloir s'asseoir sur sa chaise de shérif, ici, sur son bureau. Et on fait défiler les textes plus vite. Un trophée va tomber. On va faire le choix numéro 1. Ask about Jessica Hobby. Ask about Jessica Personality, choix numéro 1. On va faire tous les choix. On appuie sur R2 pour maintenir les textes qui défilent plus vite. Ask about Jessica and Gary Relationship, choix numéro 1. Et maintenant, on défile les textes pour aller plus vite et on va ensuite sortir de notre bureau. Voilà, on va quitter, on va aller près de la porte marron qui est au fond. C'est vraiment bien fait, moi j'aime bien. Choix numéro 1, ask about the letters to Julian Bataille. Choix numéro 1. Choix numéro 3, that's all for now. C'est tout pour le moment. Un trophée va tomber, le quatrième. Oui.
Alors nous allons faire le choix Ask About the Tower, choix numéro 1. Choix numéro 1, Tell Her meurt. Don't you think that maybe God saved us? Choix numéro 1, I think you're right. Je pense que tu as raison. Choix 1. Chapitre 2. Hey, boss. Choix numéro 1, I don't have to explain myself. Un trophée va tomber. Alors, on va aller lire le livre sur le lit. Le lit qui était derrière nous. On va ensuite aller au niveau des escaliers, on monte à l'étage. On va aller près de la porte noire ici. Un trophée ne devrait plus tarder à tomber. On va aller parler à la jeune femme qui est ici. Trophée numéro 6. Et nous allons faire un choix, le choix numéro 1, Ask About the Train.
Choix 1. Alors maintenant, il faut quitter cet endroit et sortir vers la porte rouge. Donc la porte rouge, elle est juste derrière nous. Hop. People need order. Choix numéro 1. You are right, the system fine. It is fair. Good. Chapitre numéro 3. Choix numéro 1, Sweeten Sarah. Choix numéro 1, thanks. But this is not the time. Your posturing will only cause more chaos. Choix numéro 1, keep arguing. Speak of the devil. And you believe him? Choix
Choix numéro 1, yes. Choix numéro 1, you might be helpful. Un trophée va tomber, le septième. Choix numéro 1, hug him. Are you going to lock me up or not? Choix numéro 1, lock him up, enferme-le. Un trophée devrait tomber, le huitième. Il y a un total de 13 trophées. On est bientôt à la fin. Chapitre numéro 4. Choix numéro 1, ask how he found out. Le dernier choix, le choix numéro 4, no more question. Choix numéro 1, tell her the truth. Choix numéro 2, talk to Winer, parler à Winer.
understand. Nous allons examiner le corps. On s'approche près de la femme au sol. Choix numéro 1, examine le symbole. Le trophée numéro 9 vient de tomber. Nous allons choisir choix numéro 1, examine the chest wound, le coffre, et examiner the head, examiner la tête. On va ensuite examiner le couteau qui est près du corps, on recule un petit peu et vous avez un couteau au sol, on appuie sur croix. Choix numéro 1, examine the knife. Choix numéro 1, examine the heart, le cœur. Nous allons désormais parler à la fille qui est juste droit devant nous. La voilà. Nous allons parler au jeune homme qui est juste à côté, à proximité, on appuie sur croix. Nous allons faire le choix numéro 1, mention the broken rib cage, choix 1. Troisième choix, choix numéro 3, moving on. Choix numéro 2, mention the intact heart. Choix 2. Choix numéro 3, c'est tout. That's all. Choix numéro 1, draw your gun. Chapitre 5. Ask about the tower, choix numéro 1. Choix numéro 3, no more question, pas plus de questions. Hein. Alors maintenant il va falloir quitter cet endroit, on va aller près de la porte principale. Et ensuite on va entrer vers la porte en face de nous. Deux trophées devraient tomber, le trophée numéro 10. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ?
il y a eu une erreur de sauvegarde. Ah, bah tant mieux, c'est revenu à la normale. Il devrait y avoir un autre trophée, le trophée numéro 10 qui devrait tomber dans quelques instants. Numéro 11, pardon. Sûrement juste après la fin du dialogue. Voilà le fameux trophée numéro 11. Il a fallu un peu de temps pour qu'il arrive. Donc là, va falloir faire le choix numéro 1, Auguste. Choix numéro 1, Ask About the Book. Ask About the Lost, choix numéro 1. Choix numéro 3, No More Question, pas plus de questions. Choix numéro 1, d'accord, agree. What?
Choix numéro 2. Describe the victim. Décrivez la victime. Choix numéro 3. Stop giving information. Arrête de donner des informations. Erica, you look hot. Maybe you'd like to join me in the water? On dit oui, yes. Stop with your gun in my face. Choix numéro 1. Agree not to use my gun. D'accord, ne pas utiliser mon gun. Choix numéro 1, ask about the contractor. Choix numéro 3, that's all I need, c'est tout ce dont j'ai besoin.
Choix numéro 1, Drew Jürgen. Donc celui-ci, c'est bien le dernier, hein, parce qu'il manque plus qu'une question, hein. Réponse de choix à faire, et ensuite deux trophées tomberont. Le trophée numéro 12 et le trophée numéro 13 qui est lié au platine. Nous allons faire le choix numéro 1, Unlock the Cell, qui veut dire débloquer, déverrouiller la cellule. Donc il va être libre. Allez, dernière ligne droite, il faut aller à l'étage, il faut monter en haut. Hein. Il va falloir le faire 4 fois, donc on se retourne et on monte à l'escalier. Encore, on fait go up, qui veut dire aller à l'étage au-dessus. On recommence, on se retourne et on fait go up. On se retourne à nouveau et on continue go up. Monter. Et voilà, plus que un choix de réponse à faire, et c'est la fin du jeu. Le choix que nous allons faire est celui-ci. I want you to be a better person. Choix 1. Je veux être une meilleure personne. Si tout s'est bien passé, si nous avons répondu à toutes les questions parfaitement, le trophée platine devrait tomber dans quelques instants. Allez, le platine, publié par Extasia Soft, qui sont une société hongkongaise. Et bien sûr, développé par Wootsy Studio. Voilà, c'est la fin de ce jeu. J'espère qu'il vous plaira. Il est un peu cher. Attendez les soldes pour le récupérer. Je vous dis à bientôt. À la prochaine. Salutations.